Bienvenue! Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast Raconte-moi ton métier. Aujourd'hui, nous allons découvrir le métier d'ATSEM à travers le portrait de Johanna. Bienvenue Johanna. Bonjour. Alors Johanna, on va tout de suite repartir dans ton passé et voir si il y a eu un petit impact justement sur le choix de ton métier actuel. Est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance ou de ton adolescence qui ont marqué justement voilà, ton parcours? En fait, j'ai eu une enfance assez tranquille. J'ai grandi dans un tout petit village, tout mignon, avec une petite école à l'ancienne, où c'était vraiment un esprit bon enfant. C'était vraiment, ouais, j'ai passé vraiment une très bonne enfance là-bas, pour ce qui est de l'élémentaire. Après, c'est arrivé au collège où ça s'est un peu plus gâté. Mais en général, non, j'ai plutôt de bons souvenirs. Et tu penses que ça t'a peut-être motivé à travailler auprès d'enfants? Est-ce qu'il y a eu des souvenirs particuliers qui t'ont donné envie de travailler auprès d'enfants en bas âge? Pas du tout. Pas du tout. Mais tu as le droit. Hein. Non. C'est pas grave, en fait. Hein. Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est à travers justement le métier que j'ai choisi aujourd'hui que j'ai pu me remémorer ces bons souvenirs. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, l'école, ça se passait super bien et tout ça. Après, ça s'est gâté un peu au collège, parce qu'en fait, au collège, comme un bon nombre d'enfants, malheureusement, j'ai subi du harcèlement scolaire. D'accord. Et donc, du coup, ça a pris vraiment le pas sur tout. Donc, pendant très, 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 très longtemps, tout ce qui était en rapport avec l'école, je l'avais un peu mis de côté parce que du coup, je gardais vraiment en souvenir que ces années-là. Et c'est vraiment après, quand j'ai commencé à travailler à l'école, que j'ai redécouvert l'école, que j'ai pu me remémorer ces bons moments, en fait. Donc, en fait, tu as fait d'autres métiers déjà en lien avec l'enfance. Alors voilà, c'est ça. Comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas un parcours classique pour une ATSEM. Okay. Donc en fait, moi je suis allée après au lycée en filière L option art plastique. Donc je le précise parce que c'est un déterminant pour mon choix en fait. Après, j'ai tout arrêté. J'ai fait ma petite crise d'adolescente. J'ai arrêté les études. J'ai fait une petite bêtise. J'étais très désobéissante avec mes parents. Voilà. Et du coup, je voulais partir de chez moi, avoir mon autonomie. Donc, j'avais un petit copain à l'époque qui était vendeur. Et j'ai vu qu'on pouvait travailler facilement. Donc, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, je vais travailler dans les magasins. J'aime bien la mode. J'aime bien les choses comme ça. Et puis, je me suis aperçue que, non. Sans qualification, sans diplôme, on ne peut rien faire. Enfin, vous trouvez on trouve du travail. On trouve toujours du travail. Mais le problème, c'est qu'on va te demander de faire n'importe quoi, tu vas être moins bien payé, tu vas être moins bien considéré. Donc, à 18 ans, je suis partie dans une école pour adultes, Greta tertiaire, où j'ai pu passer mon BEP vente en un an. Au lieu de le faire, normalement, c'est en 2 ans, je crois, avec de l'apprentissage. Non, moi, je l'ai fait en un an parce que c'était une reconversion pour les adultes. J'étais la plus jeune, j'étais le bébé de la bande, mais comme on a vu que j'étais très motivée, du coup, on m'a prise. Donc après, j'ai fait des stages, c'était super bien. Et puis après, par chance, j'ai trouvé tout de suite un travail dans une boutique, sac à main, bijoux, enfin voilà, tout ce que j'aime. Et on faisait pas mal de merchandising, la mise en avant des produits. Et comme je t'ai dit avant, j'étais pas mal dans les arts, j'aime bien tout ce qui patouille comme ça, mettre en avant les choses et tout ça. La création, donc, en tout cas. Voilà, tout ce qui est créatif, j'adore. Donc du coup, je me suis vraiment épanouie. J'adorais vraiment la vente, le contact avec les gens. Le fait de bouger, d'être en mouvement, de parler avec les gens, de conseiller les gens. Enfin, j'ai toujours eu, par contre, cet aspect-là dans la manière de parler. Enfin, voilà. J'aime beaucoup le contact, les métiers de contact, j'adore. Parce que j'avais déjà pu... mon père, il m'avait fait faire des stages à la Caisse des dépôts à l'époque. Un métier vraiment de bureau pur. Et là, je n'avais pas accroché du tout parce que j'étais coincée dans un... petit bureau, tu parles à personne, tu bouges pas. Et pour moi, avec mon caractère, mon tempérament qui tient pas en place,
pas possible. Donc là, vraiment, dans la vente, je me suis vraiment épanouie. Et en plus, au bout de 3-4 ans, j'ai grimpé les échelons assez vite, où je suis devenue responsable de magasin. D'accord. Donc voilà, vraiment, je m'épanouissais bien. Et puis un jour, j'ai rencontré mon mari actuel, je suis tombée enceinte. Et là, je me suis posée vraiment un choix. Je me suis dit, est-ce que, parce que tu travailles dans la vente, et moi j'adorais ça, mais tu travailles le samedi, tu travailles aussi le dimanche, tu finis très tard. Ouais. Comme je t'ai dit, la mise en des produits en avant, tu le fais pas pendant que le magasin est ouvert, donc soit tu commences très tôt, ou soit tu finis très tard, donc toute ouais. seule, enfin ça me convenait, mais avec un petit bouchon, je me suis dit non. En patine, ouais. Voilà. Après, tu connais, c'était le premier bébé, j'étais dans mes hormones, je lisais tous les livres sur les bébés, j'étais enceinte, j'étais très fusionnelle avec mon bébé, et puis je me suis dit que ce que je veux faire plus tard, je veux un métier où il y a du contact et tout ça, je veux travailler dans une crèche. Mais vraiment, c'était vraiment la crèche. Donc, je regarde qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler dans une crèche et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire une rupture conventionnelle de contrat. Donc, j'ai été voir mon grand patron, parce qu'à l'époque, il n'acceptait pas les ruptures conventionnelles de contrat. Donc, mais comme il me connaissait bien, il m'a fait une petite fleur. D'ailleurs, je le remercie. Il m'a fait ma petite rupture conventionnelle. Donc, après, ça m'a permis d'être au chômage. Donc, je suis allée voir Pôle emploi à l'époque, parce que je voulais faire ma formation. Pour avoir mon CAP petite enfance. Et Pôle emploi, là-dessus, pas beaucoup d'aide. Rien du tout. Non. Là-dessus, j'ai été extrêmement bloquée. Ils ne comprenaient pas trop mon choix parce que des annonces de vendeuses, de responsables, ils en ont à l'appel. Donc, pas du tout aidée. Ils m'ont donné plutôt des formations pour être assistante maternelle à la maison. Je ne voulais pas du tout. Donc, premier conseiller, ça ne s'est pas bien passé du tout. Donc, j'ai dit, je vais regarder ce que je peux faire de mon côté. Donc, après, j'ai vu que par le CNED, on pouvait faire une formation à la maison. Donc, c'est payant, ça a un certain coût. Mais j'ai vu qu'en un an, je suis partie voir Pôle emploi. J'ai eu un autre conseiller qui m'a dit, OK, mais il fallait que je paye ma formation. J'ai payé ma petite formation. Alors là, c'était vraiment le bonheur parce que j'étais à la maison, j'avais ma fille, elle était bébé, donc ça me permettait de la garder, de travailler en même temps. Alors, savoir que c'est une utopie de s'imaginer travailler à la maison avec un petit bébé parce que on garde ses devoirs. Oh, vas-y, je vais le faire demain, j'ai le temps. Donc, ça s'appelle procrastiner. Après, j'ai de la chance, j'ai une mémoire extraordinaire, c'est que je lis un texte, je retiens assez facilement ce que je disais. Oui, en effet, c'est une collègue hier. Ouais, j'ai des facilités à la base, c'est pour ça, j'ai bien profité de ma petite puce, en même temps je lisais. Et puis après, j'ai fait les stages, alors, ça c'est très important. Les stages, alors quand on fait un CAP comme toutes les voies de la formation, d'après ce que je peux voir, maintenant, ça commence une vraie galère. Si on veut trouver des stages ou de l'apprentissage en France, ça reste... Donc, j'ai beaucoup galéré, par contre, pour trouver les stages, surtout en crèche. Mmh. Je suis allée quand même à presque une heure de chez moi pour trouver un stage en crèche. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes ou parce que... Non, ils ne prennent pas beaucoup de stagiaires parce que c'est quand même un risque, c'est du temps. Je ne suis pas une jeune étudiante. J'avais quand même derrière son CV une bonne... j'avais 26 ans, j'avais déjà travaillé, donc ils savaient qu'ils n'allaient pas prendre une petite jeune et tout ça, de 18 ans, qui découvre, mais j'ai énormément galéré, parce qu'au départ, comme je t'ai dit, je voulais vraiment travailler en crèche, donc du coup, moi je cherchais surtout, tu as 3 mois de stage à faire, mm-hmm. et moi je cherchais 2 mois en crèche et 1 mois en école, parce que alors quand je voyais qu'il fallait faire un stage en école, j'ai dit, mais non, j'ai pas envie de travailler en école. Ah oui, il faut les deux, c'est rigolo ça, ouais. Je ne voulais pas, mais vraiment pas. Du coup, mais il fallait ces stages. Et du coup, je trouve 1 mois dans une crèche et une gentille école, une école toute mignonne qui veut bien me prendre pour mes 2 stages. Donc, je boude. Donc, je dis à mon mari, je ne veux pas y aller, je ne veux pas aller à l'école, ça ne me dit rien du tout, j'aime pas l'école. Et puis, le premier stage, je le fais à l'école. Donc, je traîne des pieds. En plus, je ne savais pas du tout ce que c'était une ATSEM, parce que franchement, mes années de maternelle, je me souvenais vite fait de souvenirs de copains en petite section. Il y avait un lapin dans la classe, donc je me souvenais du petit lapin. Ça t'a marqué. Des copains vite fait. Oui. Oui, oui, parce que je m'étais fait gronder comme j'embêtais le lapin. Et non, et puis on avait fait un costume, je me souviens, on avait un costume avec des ailes de papillon, petits souvenirs comme ça, et surtout en grande section, de dames, une maîtresse qui n'était pas très sympathique, et d'une dame qui l'accompagnait, qui n'était pas sympathique non plus, qui n'était pas très contente, qui criait pour les enfants. Donc j'étais restée là-dessus. Donc je ne voulais pas y aller,
Donc j'y vais en faisant du boudin. Donc ton mari t'a forcé la main. Contente d'avoir trouvé quand même mon petit stage. Et puis là j'y vais et j'ai eu un coup de foudre en fait. C'est vraiment ça. On m'explique le métier. J'ai une ATSEM mais géniale, une formatrice mais c'est, je la remercierai jamais assez, mais qui était géniale, qui m'a pris sous son aile. Les enseignants, ils ont été top. La directrice, alors elle était assez sévère avec moi, mais c'est important aussi, elle m'a beaucoup aidée. Pourtant, j'avais 26 ans à l'époque, mais elle m'a prise vraiment sous son aile comme une de ses élèves. C'est important parce que j'ai quand même été punie de sortie scolaire pour finir mon dossier pour qu'il soit parfait. Ah ouais. J'ai boudé, j'ai dit non. Non mais bon. Et là, j'ai découvert en fait un métier super sympa, avec beaucoup de patouilles, de créations, des enfants qui parlent, qui communiquent, qui sont trop choux, qui sont vrais, qui sont francs. Non, en fait, c'est le premier jour, je suis revenue vraiment, pas choquée, mais vraiment, je me suis dit, ah, je ne m'attendais pas à ça. Donc, ça t'a donné envie de revenir le lendemain quand même. Oui, énormément, parce qu'en plus, je parlais beaucoup avec mon ATSEM qui, pareil, c'était une reconversion. D'accord. Avant, elle travaillait en pharmacie. Elle était préparatrice en pharmacie, donc ça n'a rien à voir. Donc, du coup, elle a vraiment pu m'expliquer. Et oui, les enfants, en plus, j'étais dans une classe de petite section, ils étaient trop mignons. Ils étaient. Et puis, c'était génial. Tu faisais des activités avec eux, tu jouais avec eux dans la cour d'école. Puis, ils viennent te voir, t'es qui, enfin, ils cherchent à te connaître, à te découvrir, enfin voilà. Dans le sens du contact immédiat en fait. Ah, c'était super. Après j'ai commencé à faire du découpage, après j'ai fait de la peinture avec eux. Franchement c'était super. Du sport, de la motricité, je me rendais pas compte tout ce qu'on faisait dans une maternelle parce que je te dis, j'en avais aucun souvenir. Donc franchement c'était super sympa. Premier stage donc du coup qui se passe super rapidement et vraiment avec un bon souvenir et une envie de revenir. Et en plus je savais que j'allais revenir. Pour la période du coup de janvier. Avec, et tu pouvais revenir dans la même école, tu veux dire ? Oui. Ah, ça c'est top. Comme ça, tu as pu voir l'évolution aussi. Oui. Après, du coup, je vais en crèche où c'était mon gros coup de cœur. Et là, bah, du coup, désillusion. parce que j'étais restée... Non, j'étais très contente. J'étais avec des petits bébés. Ça me rappelait ma fille à la maison. Du coup, c'était un peu plus plan-plan. Tu joues beaucoup au sol, sur des tapis... On est assises, on fait des petites activités de motricité, mais les tout petits bébés, parce qu'au départ, on fait un peu toutes les petites sections. Enfin, c'est un peu comme dans une école, tu as vraiment... Il y a des âges... Voilà, tu vois. C'est pas l'âge des plus petits, tu es sur un tapis de jeu, tu agites des petits hochets, des choses comme ça. C'était assez calme. Du partage avec l'enfant, oui, des câlins, des soins, de la bienveillance, des repas, des moments de câlins pour le dodo et tout ça. Mais c'était pas, le terme va peut-être paraître choquant, mais assez vivant pour moi. C'était pas assez... Ça manquait d'activité. Il y avait un peu moins d'interaction. Fait. Ouais, c'est ça. Moins d'activité, moins d'interaction avec l'enfant. Donc, par contre, l'équipe super sympa. Pareil, j'ai été super bien accueillie. Ça m'aide. Même maintenant, ça m'aide de savoir comment on travaille aussi dans les crèches. Et petite parenthèse, du coup, tu étais loin de chez toi à chaque fois ou pas ? Alors, l'école, non. Tu es à un quart d'heure de chez moi. La crèche, oui, c'est à 1 heure. Oui, c'est donc, motivée, plus comme je n'ai pas le permis, il fallait y aller en transport. Donc, plus c'était l'année où il y a eu des grosses chutes de neige. D'accord. C'est que toute la France a été paralysée, qu'il y a des gens qui ont dormi dans leur voiture. L'entreprise. Et moi j'étais coincée, je voulais pas dormir à la crèche, j'étais non. Ah ouais. Donc j'avais de la chance, j'avais de la famille qui habitait pas loin, mais à chaque fois c'est ça, je tiens à préciser parce que je sais que c'est très important. Si vous recevez des stagiaires, si vous nous écoutez, de la bienveillance. Oui, on a tous dégoûté. Et ça compte énormément parce que quand t'es dégoûté, après t'as pas envie de revenir. Bien mais sûr. Là à chaque fois j'étais super bien accueillie et vraiment bien épaulée. Après, je refais mon stage dans la deuxième école. Enfin, entre-temps, tu as des périodes à la maison où tu travailles. Et le deuxième stage dans l'école, ça se passe super bien. Mon dossier, je le fais, je le rédige. Ma directrice, justement, est avec moi tous les jours pour m'accompagner, pour voir pour mon dossier, très important aussi. Elle m'a vraiment bien épaulée. Donc, tu sais, c'était une directrice un peu à l'ancienne. Elle la vouvoyait, même ses collègues la vouvoyaient. Ça peut arriver, hein.
Voilà, il y avait une certaine hiérarchie. Donc voilà, moi j'étais très intimidée du coup par cette dame. Pourtant, je te dis, elle avait 26 ans, mais pour moi c'était voilà. Et puis il y avait une sortie, il fallait accompagner les enfants dans une médiathèque, tu vois, pour avoir un petit spectacle de musique. Et puis elle me dit, ton dossier est très bien, mais il pourrait être beaucoup mieux. Donc bah, tu vas profiter que les enfants soient partis et bien peaufiner ton dossier à l'école et tout. Et là, je dis, oh. Méchante, pourquoi elle n'est pas gentille avec moi? Et non, je la remercie après, j'ai eu un 20 à mon dossier. Donc, Ah oui, bon, elle t'a poussé dans tes derniers retranchements, quoi. franchement, en plus, j'ai pu revoir les enfants. Je les avais vus au tout début, je les ai vus un tout petit peu plus vieux. Tout de suite, ils m'ont reconnue, m'ont fait des petits câlins. Enfin, j'ai été accueillie à bras ouverts par les enfants. Même maintenant, je m'en souviens, hein, j'avais des enfants, Milou, Octave. Enfin, c'est des enfants, ils m'ont marquée. Et ah, j'étais trop contente, donc j'ai dit, je vais faire ça. Ah, Je vais faire super. ça, je vais faire ça. Donc, je travaille du coup, tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est très important parce qu'en fait, j'ai fait un virage. Voilà. Ouais. J'étais partie vraiment crèche, bébé, ma fille. En fait, je pense que je projetais que je voulais faire avec ma fille qui était à la maison, qui était tout petit bébé. Et comme je t'ai dit, j'avais eu un petit peu dégoûté de l'école quand j'étais petite. Et du coup, c'est ça m'a fait revivre les bons moments que j'avais à l'école. Je me suis dit, mais oui, moi aussi, je jouais à ça, moi aussi, je faisais ci. Et du coup, voilà, tu vois, ça m'a aidé à retrouver mes souvenirs, en fait. Ouais, tu t'appuies Donc, dessus parfois justement pour oui, c'est très important. ouais. C'est très, très important parce que, bon, après, donc, du coup, je réussis mon CAP, je le passe. Très bonne note, pas me vanter, mais voilà. Félicitations J'ai bien cartonné. alors. Et après, là où j'ai du bol, j'ai toujours eu du bol pour trouver du travail, Delphine. Je ne sais pas pourquoi. Mon mari se moque souvent avec moi de ça. Il me dit, bon, bah, faut chercher pour la rentrée prochaine, en septembre, c'est là où, comme tu veux travailler en école. Il dit, cherche en crèche quand même, parce qu'on ne sait jamais. Donc, je rédige 3-4 lettres de motivation, deux pour des écoles et deux pour des crèches. Crèche me dit oui, notre crèche non, une école non. En fait, je voulais, là où j'avais fait mes stages, c'était une petite ville, mais où il y avait 3 écoles différentes. Donc, je me suis dit, bon, je vais postuler, j'ai fait des stages, donc eux, ils me disent non. Et coup de bol, une petite ville m'accepte. J'habitais à 10 minutes, Delphine, je ne connaissais pas cette ville. Et donc, je me suis dit, mais c'est où en plus? Mais le pire, c'est ça. Hein. C'est où? J'ouvre une carte, parce que je venais juste d'arriver dans la ville où j'étais, mais ça faisait 2-3 ans que j'y étais. Donc, mais bon, j'allais pas du tout de ce côté-là. Je regarde et je vois, c'est derrière la forêt. Je me dis, c'est quoi ça? On postule et ils me disent oui pour un entretien. Donc, bon, j'y vais pas super confiante, parce que je me suis dit, bon, attends, c'est la seule école qui t'a dit oui, t'as envoyé 4 CV. Donc, voilà. Alors, quand tu dis Donc, que tu j'y vais. postules dans des écoles, en fait, tu envoies ton CV auprès de qui? De la mairie. De la mairie, hein, oui. Ah oui, pardon, La mairie excuse-moi, des j'ai pas été. choix. Bah oui, j'imagine Oui, bien, mais bon, ouais, c'est la mairie qui gère les je ATSEM. précisais. Voilà, c'est la mairie qui paye les ATSEM et qui gère les ATSEM. Donc, je renvoie des mairies. Donc, j'y vais. Bon, en plus, moi, je te dis, je viens du domaine de la vente. Donc, dans la vente, en plus, à la fin, j'étais responsable de magasin. Donc, je faisais passer des entretiens d'embauche. Donc, je savais comment ça se passait. Je sais me présenter. Je sais, voilà, répondre aux questions. Donc, moi, j'y suis allée en costume, en tailleur, avec chemisier. Ah oui. Toute pomponnée. Mais parce que l'apparence, en fait, on ne dira pas, mais c'est très important quand tu poses ta candidature et quand tu as un entretien. Il faut avoir une bonne présentation, comme une bonne élocution et une bonne lettre aussi de motivation, parce que je vois beaucoup maintenant de jeunes qui disent ça sert à rien, ça sert à rien. Si, 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 Bah, c'est si, une première vraiment, ça accroche qui est sert très énormément. importante, bien sûr. Un dossier de présentation et se présenter, c'est extrêmement important. Ouais. Donc j'y suis allée avec mon costume et tout. Pas très confiante, et puis là je suis tombée sur un maire adorable, mais parce que je dis pas ça parce que c'est lui qui m'a embauchée, mais c'est vraiment un monsieur, bon, un peu âgé, mais vraiment un papy, mais vraiment adorable, coup de cœur, très gentil. J'y suis allée, j'étais un peu en stress quand même, hein, j'étais pas confiante et tout, et puis bah, la chargée aux affaires scolaires, très gentille. Et donc bon, l'entretien se déroule super bien, et puis je ferme la porte et j'entends ah, bah elle est bien, elle. Ils avaient ouvert laissé les fenêtres ouvertes. Donc, du coup, je repars, toute guillerette et tout. Gnagnagna. Je vois une autre dame qui va pour le. Qui attendait après par la suite et tout. Bon, je me dis, L'as bon, pas dit de pas s'en grave, aller? mais ça s'est bien passé. T'aurais pu lui dire Hein? de s'en aller.
Ah non, mais attends, c'est dingue cette dame, attends, tu vas voir. Donc après, du coup, j'attends une semaine, on me dit oui, voilà. La chargée aux affaires scolaires m'a dit, ben, on vous a beaucoup aimé, vous êtes entretien, c'est très bien passé, on vous prend. Et elle me dit, faut passer le concours d'ATSEM. Alors, tu vois, moi, je ne suis pas trop étude, je venais déjà de faire un an, j'ai fait un an. Donc je regarde ce que c'est le concours d'ATSEM, je vois que il est un peu compliqué à passer, il y a beaucoup d'inscrits et peu de places, comme d'habitude, hein, tous les concours de France, hein. Donc, je lui dis oui, je vais le passer. Après, je me dis bon, c'est pas grave. Donc, et je commence dans cette école, dans cette petite école de petit village où je suis toujours aujourd'hui, ça fait 10 ans. J'ai fêté ma 10e rentrée cette année. Donc, vrai Et coup de puis, cœur. bah voilà, ça se passe super bien. Et la jeune fille, justement, alors c'est quand même y a un petit village, tu vois, et il y a cette petite école. Donc, moi, par exemple, ma classe, c'est petite section, moyenne section à l'époque, grande section. Et après, tu avais juste une classe. CP, CE1, CE2, et après une autre partie, CE2, CM1, CM2, donc vraiment la petite école du village. Mais tu as quand même une crèche dans ce petit village. Et j'avais pas le permis, je prenais le bus, et il y a une jeune fille qui sort de la crèche, qui travaille à la crèche, et qui me dit, ah, mais on s'est déjà croisés, j'avais postulé pour être ATSEM. Et elle me dit, ils m'ont pas voulu, du coup, je travaille à la crèche. Je me suis sentie mal. D'accord. Hein? Le monde est petit. Et du coup, elle travaille toujours à la crèche. Moi, je travaille toujours dans cette petite école. Donc, C'est drôle, et c'est elle a drôle. gardé ma deuxième fille après, tu vois, c'est vraiment. Ah oui, bah oui, là forcément il y a du lien. Donc voilà, petite école où je suis toujours et où ça se passe super bien. Donc c'est pour ça que je ne peux pas trop juger de ce qui se passe dans les grandes écoles. Moi, je suis dans une petite structure, vraiment, j'ai envie de te dire, un peu familiale. Ce n'est pas pour vendre les petites écoles ou primer en disant là, je travaille, c'est génial. Mais non, c'est vraiment c'est familial. Une Comme c'est un proximité. petit village, les gens ils se connaissent tous. Les familles sont assez aisées quand même. Mais franchement, les gens sont adorables. Je t'ai dit, le maire a toujours eu de très très bons rapports. En plus, c'est quelqu'un qui apportait une grande importance à l'école du village. Pour lui, c'était vraiment le lien social. On a toujours eu ce qu'on voulait. On manquait de rien au niveau moyen et puis au niveau quand t'as des petits travaux, des choses à demander, bah, tu sais, parfois ça Il peut est passer. toujours prêt, Dans l'école où j'ai fait mon stage, ça faisait 2 ans qu'elle demandait des rideaux, elle les incite, elle les faisait pas. C'est ça aussi, d'un côté, ce qui est bien dans les petits villages, c'est que oui. voilà, il y a un peu moins d'intermédiaires. Ouais, il y a une attention portée vraiment à l'éducation, quoi. Voilà. Alors, Johanna, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les objectifs principaux de ton métier d'ATSEM? En fait, pour moi, c'est vraiment d'accompagner l'enfant, d'être là pour lui. Mais vraiment, on a pour fonction d'aider l'enfant dans son acquisition de l'autonomie, lui apprendre à s'habiller, lui apprendre à manger correctement avec des couverts, à devenir autonome, mettre ses chaussures, mettre son manteau, l'aider à s'éveiller. Par l'encadrement que nous apportons pendant les ateliers. D'accord, tu Donc, ça t'occupes aussi, c'est très d'ateliers important. aussi. Voilà, dans les ateliers proposés en classe. Donc, D'accord. moi, en plus, je suis énormément avec les petites sections. Donc, c'est vraiment l'éveil, l'éveil, l'éveil. Tout ce qui est dans la motricité fine. Puis, la découverte aussi, la découverte du monde. Après, j'ai une autre fonction aussi qui est importante, c'est d'aider et d'accompagner l'enseignant aussi dans ses tâches, de l'épauler. Mais ça aussi, c'est très important parce qu'on est un binôme. Ah ouais, c'est clair. Sans Un couple. ATSEM, je l'ai pas vécu souvent. J'ai fait quelques petites sections il y a longtemps. Mais Ah sans oui? ATSEM, c'est quand même pas pareil. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Mon collègue de maintenant, je devrais essayer de le laisser tout seul une journée. Parce que il faut vraiment que ça se passe bien, en fait, entre l'enseignant et l'ATSEM. Parce que on est vraiment un binôme à travailler ensemble. On doit travailler ensemble. Comme un espèce de petit couple, en fait. Il faut vraiment que ça se passe bien. Parce que sinon, c'est le point négatif du métier. Si ça se passe pas bien, et souvent. Ce que je peux voir, ce que j'ai pu vivre aussi parfois. Mais majoritairement, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Mais ce que je vois beaucoup, malheureusement, dans les témoignages de mes collègues ATSEM, il y a des ATSEM qui vivent
enfin, un enfer en fait, où ça se passe vraiment c'est au pas bien détriment du des tout. enfants, finalement. C'est au détriment des enfants, c'est pour ça que je suis, c'est vraiment très important que ça se passe, parce qu'au niveau de toi, hein, si t'as jamais ça se passe pas bien, t'as pas envie de revenir demain, le lendemain au travail, si t'es pas considéré, si on parle pas bien, si on prend pas en compte ton avis, ou d'après ce que je peux voir dans mes collègues, il y en a, elles sont vraiment, vraiment réduites à l'état de nounou pour les enfants, quoi. C'est vraiment les kitis, le lavage, voilà. Pas dit s'il te plaît, pas des merci, voilà. C'est vraiment. Ouais. On les prend pas en considération. Oui, bah, y a un respect. Et du coup, si tout le monde boude dans son coin, si l'ATSEM et l'enseignant ne se parlent pas, les enfants, bah, tu connais, c'est des éponges, ils le ressentent tout de suite. Bien sûr. Du coup, bah, t'es pas agréable avec eux. Enfin, tu vois, toute la journée, c'est sec. Ah, puis ça doit être tendu. Ça doit être tendu. Oui, hein. Voilà. C'est, voilà, c'est tendu. Et puis. Ouais. C'est mauvais, c'est néfaste pour tout le monde, aussi bien pour les enfants, parce que tu n'es peut-être pas non plus assez agréable, et puis tu n'as pas la cohésion qui fait que voilà, ça peut être un peu plus fun, plus sympa, tu proposes des projets plus sympathiques, ça, et tu peux être force de ça se déroule bien. Oui, complètement. Et puis voilà, c'est pour faire la tête toute la journée, les enfants, ils ont besoin de joie, de légèreté, quoi. Oui, complètement. Donc ça, c'est très important, mais moi, c'est surtout, je suis là surtout pour l'enfant. Oui. Ça, c'est vraiment la tâche principale. Oui, parce que comme je t'ai dit, alors ça revient un petit peu après ce que j'ai vécu par le passé, comme je t'ai dit, moi j'ai subi du harcèlement scolaire, et donc j'ai eu un rapport par rapport aux professeurs, aux encadrants, compliqué, parce que quand j'allais les voir pour me plaindre, je pleurais, on ne prenait pas en considération mon ressenti, que tu ressentais, ouais. Mes propos, on disait non mais c'est bon, c'est bon, allez, arrête de pleurer, c'est rien, voilà, il faut être plus forte. En plus, j'étais très timide déjà, donc aller voir les adultes, c'était compliqué pour moi. Donc, y a des choses qui peuvent paraître bébêtes pour les adultes, pardon, mais pour les enfants, ça requiert une importance capitale. Bien sûr. Donc, je ne suis pas là, par contre, les ATSEM ne sont pas là pour prendre la place des mamans, la membre de la famille, mais... je mets quand même une importance à voilà, bien encadrer les enfants et en toute bienveillance. Et vraiment à écouter leurs petits soucis, leurs petits bobos, leurs petites plaintes. Oui, parfois, il y a des plaintes qui sont un peu voilà, récurrentes, qui ne sont pas graves, des petites histoires et tout. Mais j'essaye toujours de juger l'importance de leurs requêtes et de les accompagner au mieux. Parce que j'ai déjà vu même des enseignants, même des collègues, hein, ils disent, oui, c'est bon, ne vous embêtez pas, allez jouer plus loin, va pas jouer avec eux, enfin voilà, débrouille-toi, en gros. Ouais. Mais non, 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 parce que moi, en étant, bah, comme je te dis, je suis un peu sensible, et moi, je sais que parfois, quand les adultes m'envoyaient paître, je ne leur sentais pas bien, tu vois, je me suis dit, on ne m'écoute pas, je ne me sentais pas écoutée, donc du coup, après, c'est un tout, après, plus tard, est-ce que ça veut dire que quand il y aura un gros souci, il va aller voir les adultes ou les encadrants? Bah non. Parce qu'il va dire, bah, c'est pas grave, on m'écoute pas. Donc pour moi, après, je fais peut-être de la psychologie à deux balles, mais pour moi, c'est très important. Oui, bah, disons qu'il faut être à la fois bienveillante, mais il faut être aussi maternante, finalement, dans sa façon d'encadrer les enfants. Pour bien les encadrer et les écouter. Oui, le côté maternant, écouter, je dirais que les enseignants... le font un peu, mais peut-être que tu t'autorises davantage de cocooning qu'un enseignant ne pourrait le faire, finalement. Bah oui, parce que vous avez quand même pas mal de travail dans la journée. Vous avez tout ce qui est pédagogie, donc les ateliers, ouais, la préparation pédagogique. La préparation pédagogique, et puis même, nous en plus, on est en petite section, moyenne section, grande section, donc... les enseignants avec qui j'ai pu travailler, ils n'ont pas le don d'ubiquité, ne peuvent pas tout faire en même temps. Et puis, dans une classe, maintenant, c'est ça aussi qui est inacceptable, c'est que les classes maternelles sont de plus en plus bondées d'enfants, j'ai envie de te dire. Parce que parfois, avoir 30 maternelles dans certaines classes, c'est pas possible, ouais, même à deux. Ouais. Donc, c'est vrai que nous, on a un rôle, enfin, moi, que je juge très important, c'est, voilà, on est plus dans l'écoute, dans la bobologie, les choses comme ça. C'est pour ça qu'on n'est pas, je trouve, après, c'est un point de vue que partage peut-être, on partage entre ATSEM. Comme vous, d'ailleurs, les enseignants, vous manquez d'un manque de reconnaissance. Ah bon? Nous, les ATSEM... Et nous, les ATSEM, davantage, parce que la plupart des gens, déjà, ne savent
qui nous savent. La plupart des parents, ils pensent qu'ils nous confondent un petit peu avec des animatrices ou avec du personnel de nettoyage. Enfin, ils ne savent pas trop. Il y a une dame avec l'enseignant qui s'occupe des enfants. Voilà. C'est la nounou. Qui elle est C'est pas grave. Ouais. Je ne dis pas ça pour tous les parents, hein, je caricature. Non, heureusement. Mais en fait, on fait énormément de choses parce qu'on est présent le matin avec l'enfant, le midi pendant les repas avec l'enfant, on est présent pendant la sieste de l'enfant, fin de journée et parfois en garderie. Mmh. Maintenant, on est amené à faire davantage de choses. Mmh. Oui, ça fait des longues journées auprès d'eux. Des très longues journées. Donc, on est vraiment, vraiment là. On a été un peu plus reconsidérés depuis 2017-2018. Où maintenant, on fait partie de la communauté éducative. Oui. Maintenant, on a été intégré à ça, donc on a eu un peu plus de reconnaissance. Oui. Mais bon, oui, voilà. C'est important. Bon, c'est déjà très important. Ça veut dire quand même qu'on prend en compte notre avis, parce qu'on peut être présente aux équipes éducatives. Déjà, c'est très D'accord. important. Ça veut dire que, voilà. Oui, mais oui, mais à partir du moment où vous faites partie de la vie d'une journée d'école, voilà, vous êtes témoin de voilà. plein de choses. Bah, comment ça se passe le midi, comment ça se passe ouais. le soir aussi sans l'enseignant, parce que les enfants changent très rapidement, que ce soit en fonction de leurs parents, de l'enseignant. Ou... Vous êtes présent sur des temps où l'enseignant n'est pas toujours là, en fait. Ouais. Sur, alors, sur le papier, ça ne fait pas beaucoup, mais ça veut quand même dire que tu vois, on a une certaine importance quand même. Oui, bien sûr. Bien je sûr. Trouve. C'est jamais assez, mais je trouve. Mais ça serait bien qu'on soit davantage mis en avant. Par exemple, pendant malheureusement l'épidémie de la Covid, on a parlé des enseignants qui restaient travailler, qui se sont occupés des enfants, mais jamais des animateurs, jamais des ATSEM, et jamais des animatrices quand même, qui étaient là, en classe, qui ont passé leur temps à désinfecter, qui ont passé leur temps à nettoyer les tables, à désinfecter les jouets, les robinets. La plupart l'ont mal vécu, enfin, c'est anxiogène pour tout le monde, hein, que ce soit les enseignants et tout. Mais du coup, s'occuper vraiment très peu des enfants, plus de tout ce qui était nettoyage. Donc, ouais. Je tiens à mettre ça en avant parce qu'on n'en parle pas assez. Oui, on parle beaucoup raison. Des enseignants et c'est normal, tout à fait normal de le mettre en avant. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas... Voilà, même par les tweets de notre ancien ministre, il n'y a pas grand-chose pour les animateurs AESH ou les ATSEM. Oui, complètement. Complètement, tu as raison. Un peu sujet. Invisible. Ouais. Tu m'as dit que tu avais passé un CAP pour être ATSEM, donc un peu contrainte. CAP petite enfance en un an. Je ne l'ai pas passé en deux ans, je l'ai passé en un an. Parce que comme j'avais déjà un BEP vente action marchande, j'avais déjà les matières principales. Ok. Français, maths, qui étaient validées, donc je n'ai pas besoin de les repasser. Et donc après, c'est un concours ATSEM ou c'est un CAP ATSEM ? Non, c'est un concours. À mon avis, ça a changé, parce que moi, je l'ai pas... Alors, je tiens à le préciser, je l'ai passé il y a 10 ans. Donc, okay. Si ça a changé, je ne sais pas. Et donc... après, donc du coup, bah, comme je t'avais dit à l'époque, la personne qui m'avait recrutée, elle m'avait dit, faut que vous passiez votre concours d'ATSEM. Donc, bah, pareil, j'y suis allée à reculons, parce que je me suis dit, bon... C'est compliqué. Comme j'ai vu sur place qu'il y avait beaucoup d'inscrits et très peu de prix et que j'ai une énorme confiance en moi, je me suis dit ouais, je vais pas l'avoir. Ça sert à rien, c'est du temps perdu. J'ai du travail, j'ai des grosses journées, ça m'énerve, j'ai pas envie de le faire. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire, comme ça, ça va pas m'embêter. Et puis voilà, je vais le faire. Et si je loupe, je dirais, bah, tant pis, c'est pas grave. Vous avez vu, je me suis inscrite. Et du coup, toi, tu l'as donc, fait avec le concours... Le CAP, pardon, externe. En poche. Je ne l'ai pas fait en interne. Ouais. Je ne l'ai pas fait en interne. Mais si tu n'as pas j'ai le CAP prendre... petite enfance, tu peux le passer quand même, le concours d'ATSEM ou pas ? Enfin, tu aurais pu le passer ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Non. Je ne suis pas sûre. D'accord. Je ne sais pas. Comme je te dis, comme je n'ai pas d'un parcours classique, je ne sais pas du tout. Okay. Je sais que tu pouvais passer en interne et en externe, mais j'avais regardé en interne, tu avais encore moins de place. Et puis, je pense qu'il faut justifier... Je sais pas. Là-dessus, par contre, je suis désolée. On va renvoyer les personnes intéressées vers des centres d'information. Oui, parce qu'en plus, c'est important parce que sur le groupe d'ATSEM, souvent, il y a des gens qui veulent faire une reconversion et qui posent la question. D'accord. Donc, sujet à...
Oui, parce J'accroche. qu'il y a, après, il faudra que je revienne là-dessus, il y a plein de gens qui ont une idée idyllique du métier d'ATSEM, comme certaines personnes ont une vision idyllique du métier d'enseignant, mais voilà. Ouais, ok. On va Et donc, peut-être toi, leur concours expliquer un peu. d'ATSEM, le concours s'est Bah, bien je le prends. passé? Alors, il est, par contre, il est assez costaud. Le CAP petite enfance, c'est un niveau troisième. Ok. En fait, j'avais trop travaillé pour le CAP, tu vois que le jour où j'ai passé l'examen, j'étais un peu dégoûtée, je me demande. Parce que c'est. Je ne vais pas voilà, m'avancer, mais c'est assez facile. Le CAP, il est facile. Par D'accord. contre, le concours d'ATSEM, j'ai acheté après des. Je me suis dit, bon, je vais le faire, mais bon. Donc, du coup, j'ai acheté des livres qu'on peut trouver les bonnes librairies de France, des livres pour le concours d'ATSEM, qui sont très bien, où il y a les cours et il y a des fiches de révision. Et comme OK. pour le bac, tu as des livres qui sont spécialisés, petites fiches de révision. Donc là, je me suis dit, quand même, c'est un gros morceau. Donc j'ai bien potassé quand même, parce que là j'ai vu que quand même c'était un peu plus dur. Il faut des connaissances un peu plus pointues, un peu plus poussées. D'accord. Et pour moi, pour ma part, il faut le passer quand on est déjà ATSEM, parce que comme tu as beaucoup de questions sur la pratique, bah, il faut connaître, quoi. Il Ça faut veut faire dire qu'au que niveau recrutement, ça te pas du gêne pas, théorique. ça ne te gêne pas de pas avoir ton concours. Tu peux te faire recruter sans trop de difficultés, Oui, même tout à sans fait. avoir le concours. On peut. Les mairies peuvent embaucher des ATSEM sans concours, mais alors c'est pareil. Je suis pas très au fait là-dessus. Il me semble que dans une école, il faut tant de personnes ayant un CAP petite enfance, mais il faut quand même des personnes ayant concours. D'accord. Tu peux pas avoir que des personnes qui ont le CAP, il me semble. Hein. Après, je suis désolée, je ne sais pas. Je ne Okay. m'intéresse pas à la Bah, formation de mon métier. une fois Je qu'on y est, reste à la mienne. hein. Moi, je suis Donc, j'ai perdue bien avec les mains. potassé, potassé, j'ai fait mes fiches, mes fiches, mes fiches, mes fiches. Je suis allée passer l'examen, c'est un QCM. Gros stress, parce que si tu réponds bien, bah, tu as tes points. Si tu réponds pas bien, on t'enlève des points. Donc, déjà, j'y suis allée. D'accord. Et dans une grande salle, comme au bac, avec des randonnions de personnes. C'est assez stressant. Parce que Ok. déjà, tu arrives je crois que ça se passait dans un lycée ou je sais pas où. C'est blindé, énormément de personnes. Je n'étais pas du tout confiante, donc. Je passe, après je vois que mon écrit est validé. J'étais étonnée, mais bon, j'étais contente. Mais dans les questions, je tiens à le redire, il y avait pas mal, énormément de questions pratiques, ce qui est normal. Et le fait d'être déjà en poste dans une école, c'est ça qui m'a énormément aidée. Après, l'oral, quelques temps après, donc je m'en souviens plus, hein, c'était il y a 10 ans. L'oral, donc bah, pareil, j'y suis allée, tir à quatre épingles, très stressée, très nerveuse, très angoissée, mais. Bah pareil, comme j'arrive bien à me présenter, j'arrive bien à parler avec les gens. Voilà. L'oral se passe. Je foire une question, mais monumentale. Juste une question, hein. Il me demande le téléphone, numéro de téléphone de SOS enfants maltraités. En fait, je me suis trompée. J'ai donné celui pour les sans domicile fixe. Donc, je me suis. Voilà. Donc, du coup, je sors en pleurant. J'appelle mon instit, je fais, je l'ai Bravo. foiré, je suis nulle. Elle me réconforte au téléphone, mais ça va aller, tout. Non. Donc le temps se passe et j'étais en classe et j'en souviens encore. Et on m'appelle, la mairie m'appelle, tu as ton concours. Et alors là, j'étais choquée parce que je ne m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout à l'avoir. Comme je t'ai dit, t'as peu de place et beaucoup d'inscrits. Donc bah, les enfants, c'était vraiment un bon souvenir parce qu'ils ont crié avec moi dans la classe, ils ont fait la fête, on a sorti des petits jus de fruits et tout. Donc franchement, ouais, je garde un super bon souvenir. Donc Bravo, ouais, je suis bravo. contente. Ouais. Je l'ai eu et ce qui me permet après d'avoir été titularisée. Ok. Donc voilà. Oui, c'est pas négligeable. C'est pas C'est négligeable. pas du tout négligeable. Et du Pardon. coup, on gagne un peu plus en rémunération. C'est pas grand-chose, mais on gagne un peu. Ah oui, ok. Donc ça vaut quand même le coup de le passer, même si c'était pas ta tasse de thé au Oui, départ. puis c'est un confort parce que comme enfin, tu ne sais pas si tu vas rester toujours dans la même école. Oui. T'es quand même, je pense que plus le dossier est complet, plus le CV est complet, plus tu trouves de postes. Maintenant, c'est pareil, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ATSEM, qui veulent devenir ATSEM. Le CAP petite enfance n'est pas très compliqué, donc tu as beaucoup de gens qui postulent. Et pareil, bah, tu as peu de place, hein, dans les écoles, parce que maintenant c'est un métier qui est assez. Demander parce que bah, tu n'as pas une grosse formation à avoir, c'est pas comme les enseignants. Mais je pense que plus le CV est complet, mieux c'est. Oui. Et comme je t'ai dit, dans les écoles, en plus, il y a un certain nombre de CAP, mais il faut quand même avoir des titulaires du concours. Donc, franchement, il faut le passer. Et puis, comme je t'ai dit, je partais pas pour l'avoir et je l'ai eu. Donc, voilà, faut pas hésiter.
ça mange pas de pain. C'est ça. Ça mange pas de pain, c'est juste des fiches de révision, c'est voilà. Ouais. C'est pas de temps perdu, et puis même si on l'a pas la première fois, on le passe la deuxième fois, voilà. Ça va, il y aura forcément par l'avoir, et voilà. Donc faut pas hésiter à le faire. Ok. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou très rapidement des grandes réussites qui t'ont fait plaisir en démarrant ton métier d'ATSEM? Tout de suite, je me suis super bien intégrée dans l'équipe, mais pareil, c'est comme l'équipe, je t'ai dit, c'est une petite école, donc directrice super sympa, enseignante super sympa, l'enseignante de maternelle, mais adorable. Pareil, j'ai eu de la chance, elle était vraiment, elle m'a énormément apprise. Après aussi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est l'ancienne ATSEM qui quittait son poste, elle a pris du temps personnellement pour venir me former une journée, pour me montrer le métier. Donc, c'est pareil, je le remercie. Après, là où ça a été compliqué, c'est qu'apparemment, il y avait des collègues animatrices qui louchaient sur mon poste. Et à l'époque, ça a été... voilà. Et, alors, en démarrant, ça s'est super bien passé avec les enfants et mon enseignante, mais avec les collègues, c'était un peu plus compliqué. D'accord. Voilà, je n'étais pas la bienvenue. Ok. Bah, il fallait passer le concours d'accès. Souvent, tu connais les relations adultes qui sont les plus compliquées généralement. Ah, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Ouais. Donc là, ça par contre, ça m'a vraiment... ouais, le démarrage là-dessus, il est resté un peu plus mitigé parce que c'était vraiment beaucoup de bâtons dans les roues, en fait. Donc, c'était pas sympa, mais bon. Ouais, c'est pas grave, donc je me suis dit, moi, c'est pas grave. J'ai mon travail, je suis à côté de la maison. Mes enfants sont super sympas. En plus, j'ai la chance d'avoir des petits, des moyens et des grands. Alors, en tant que... voilà, comme ça, je pouvais garder mes petits jusqu'à la grande section, les garder pour moi. Et puis, vraiment, alors là, ça m'a permis vraiment de découvrir ce que fait un enfant, une petite section, une moyenne section, vraiment de suivre la progression. Ouais. Et de voir ce que tu leur apportes, voilà, que c'est vraiment utile. L'acquisition d'autonomie, des savoirs, des apprentissages. Tu vois vraiment que là, tu es utile. Même pour les enseignants, je pense. Voilà. Te dire que tu as démarré avec un petit bouchon qui ne parlait pas bien, qui ne savait pas tenir sa cuillère, qui ne savait pas s'habiller, qui ne savait pas ce que c'était, une couleur, un rond et tout. Ouais. Et après, tu le vois aller au CP et tout, et ça, c'est merveilleux, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est que maintenant, en plus, je fais l'étude, donc vraiment, je les garde encore plus longtemps. Ah oui. Je suis un boulet. je les lâche pas. Ouais, je vois ça, hein, mais il faut les rendre aux parents quand même, hein, Johanna, des fois. Non, après, voilà, c'est un métier très épanouissant. Tu découvres plein de choses, mais moi, j'ai découvert plein de choses. Hein. J'ai découvert le métier d'enseignant, j'ai découvert ce qu'on pouvait apprendre dans une école, découvrir dans une école maternelle. Alors, ce n'est pas qu'une garderie, hein, par rapport à ce que les gens en pensent. Il y a vraiment des apprentissages essentiels. Ouais. Donc, non. Après, c'est un métier qui, sur le papier, il est génial. Mais c'est un métier qui est, je trouve, quand même dur. Pourtant, je viens de la vente. J'étais habituée aux grosses semaines. C'est un métier qui n'est pas forcément fatigant. Super bien payé non plus. Voilà, qui est fatigant, qui n'est pas très bien payé. Donc, si tu veux avoir une paye, pour ma part, qui ressemble à quelque chose, il faut faire beaucoup d'heures. Ouais. Beaucoup d'heures en plus. Les gens pensent, oui, on travaille sur le temps de classe, après on rentre chez nous, on a nos vacances. Non, non. Il y a des ATSEM qui font ça, mais ils n'ont pas un salaire, du coup, après. Ouais. Ils ressemblent forcément à quelque chose. C'est pas ça, avec ça, que tu peux avoir, voilà. Moi, je commence à 7h30, par exemple, pour te donner mon exemple. Je commence à 7h30 avec de la garderie. Après 8h20 jusqu'à 11h30, un temps scolaire, ouais. Où j'aide à la préparation des ateliers, j'encadre les ateliers, je fais du rangement, je prépare le dortoir, de la découpe, enfin voilà, des choses comme ça. Pas mal de petites préparations, d'encadrement. Je ne fais pas la motricité, mais d'autres ATSEM font la motricité. C'est fatigant, c'est très fatigant aussi. Mmh. Donc c'est pour ça que je tiens à le rajouter. Après le midi, bah, temps de cantine et de surveillance. Ouais. Donc c'est-à-dire que bah, on sert sur le temps du repas, on sert et on accompagne l'enfant. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut lui apprendre. Alors moi du coup, je ne déjeune pas parce qu'il y a d'autres ATSEM qui déjeunent avec les enfants. Moi je ne déjeune pas avec les enfants. Mmh. Donc c'est vraiment que je passe mon midi à leur apprendre à découper, leur apprendre à servir de l'eau.
à leur faire goûter les choses. Donc, c'est un temps qui est assez fatigant. Puis, faut courir à droite à gauche pour servir tout le monde. Donc, voilà, c'est fatigant. Oui, c'est sportif, ouais. Après, tu as Et la toi, tu manges à surveillance quel moment? quand les enfants partent au dortoir. Donc, tu vois, C'est je t'ai dit, j'ai commencé à 7h30. ça. Donc, et ils vont se coucher à 13h et ma pause est à 13h30. Donc, après, tu as la surveillance. Alors là, c'est un stress. Alors oui, c'est bien, ils jouent, mais moi, tu as un stress quand même parce que c'est les parents quand même qui te confient leur bien le plus précieux, mais c'est à toi d'en prendre soin. C'est-à-dire qu'ils se fassent pas mal, que tout se passe bien, de ne pas en perdre un. Qui se blessent pas, enfin c'est pour moi c'est stressant. Le midi les collègues voilà, je suis toujours en train de compter, je fais attends alors il est où lui? Il est où lui? Voilà, je veux vraiment tous les avoir. Donc c'est stressant. On s'amuse mais voilà, c'est un temps quand même de surveillance. Donc moi je tiens vraiment à préciser qu'après si t'as des après faut les accompagner aux toilettes, s'il y en a qui ont du mal, il faut soigner les petits bobos s'il y a un blessé. Donc, voilà, faut vérifier qu'il n'y en a pas un qui se carapate à droite à gauche, donc c'est quand même un peu de stress. C'est du plaisir, mais c'est un peu de stress quand même. Après, j'ai ma pause, j'ai une demi-heure de pause. Donc voilà, juste le temps de manger. Après, je reviens, dortoir. Donc là, bon, c'est un moment un peu plus calme. Moi, j'ai de la chance, j'ai un petit dortoir. Parce que là où j'avais fait mon stage, c'était une salle de motricité qui était immense, qui était remplie de petits lits. Donc en plus, comme c'était une salle de motricité, les ATSEM devaient sortir les lits. Tous les installer un par un dans la salle, après coucher les enfants, enfin les déshabiller, les coucher, et une fois après, à la fin de la sieste, elles doivent aider les enfants à se lever, ranger, enfin, les gens, ils pensent qu'ils voient pas ce qui se passe derrière. Donc là-dessus, là, j'ai de la chance. Moi, comme c'est en plus, c'est vraiment un dortoir fixe, donc les lits restent en place, donc je les aide, ils se réveillent au fur et à mesure, l'aide à l'habillage, mais surtout l'apprentissage. Je tiens bien à préciser, parce que ça prend beaucoup plus de temps de leur apprendre à s'habiller que de les habiller toi-même. Oui, c'est Parce sûr. que y a des fois, je suis restée 10 minutes avec un enfant pour lui apprendre à mettre la chaussette. Donc, voilà. Après, pareil, petit temps d'encadrement, ils se réveillent tranquillement, on fait des petits jeux. S'il y a des petits ateliers qui sont proposés, j'encadre pendant les... Et puis après, départ à 16h30, et après, moi, j'enchaîne avec de l'étude jusqu'à 18h. OK. Ça, Temps de c'est optionnel, on goûter va dire. et étude. C'est quelque chose que tu te rajoutes pour arrondir tes fins de mois, c'est ça? Oui, alors moi, j'en rajoute ça, je rajoute l'étude, donc j'ai de la chance. Enfin, après, j'ai choisi. Mais d'autres ATSEM ont le nettoyage des locaux. Et donc ça, je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est que la journée qu'elles font, avec déjà, tu as eu une bonne matinée bien chargée, le midi à servir, à débarrasser les assiettes, à nettoyer les tables, le dortoir pour certaines qui doivent installer les dortoirs. Faire les lits, défaire les lits, habiller tout le monde. Et à la fin, quand la journée est finie, on va faire du ménage pendant une heure et demie. Ouais, c'est très Donc c'est pour physique, ça que je tiens effectivement. vraiment à dire, c'est un métier fatigant. Ouais. Et après, si tu veux un peu plus de sous pendant les vacances, la majorité d'entre nous, on travaille et on fait de l'entretien et du rangement des locaux, les locaux de l'école maternelle. Oui, c'est Donc pas il faut facile. Et travailler préciser. auprès des enfants, c'est déjà fatigant, mais voilà, ajouter à Et voilà, cela. c'est fatigant, tu as le bruit, hein, tu connais, tu as le bruit, le stress, la fatigue. Bon, après, c'est super, hein, j'adore mon métier. Hein. Comme je t'ai dit, j'adore le contact avec les enfants, j'aime beaucoup jouer avec eux, leur apprendre des choses. Dès qu'ils apprennent à faire quelque chose, je suis toute contente. Voilà, je rentre chez moi le soir, je vois, il y a machin maintenant qui a réussi aujourd'hui à Oui, découper une feuille. Enfin voilà, c'est des trucs ridicules, mais genre, mais c'est voilà. les petits plaisirs qui nous motivent. C'est mes petits plaisirs personnels, c'est de les voir s'épanouir et apprendre des choses. Mais après, c'est fatigant. Ouais. Je travaille pas le mercredi, parce que bon, l'école, nous, elle est fermée le mercredi, mais il y a des thèmes qui travaillent aussi le mercredi. Donc, on a Ouais. des journées plus courtes, certes, mais du coup, plus longues dans la semaine. Et après, on travaille pendant les petites vacances. Alors, ça peut varier, hein, c'est pareil. Là-dessus, moi, je suis dans une petite école, donc je travaille 2 jours pendant les petites vacances et 3 semaines sur les grandes vacances. D'accord. Mais il y a des ATSEM qui font un peu plus pendant les petites vacances, un peu moins, un peu plus dans les grandes vacances. Ça, c'est à la demande Donc de c'est la mairie. fatigant. Donc s'il y a des personnes, parce que souvent je vois les formations qui. Parce que maintenant tu as pas mal de pubs sur Instagram, sur Twitter, pour avoir des formations justement payantes pour devenir ATSEM. Alors ils te vendent, c'est un métier super, travailler avec les enfants, tu as tes vacances, voilà.
Non. C'est super C'est comme un métier, mythe. mais bah, c'est comme vous les enseignants, hein. Vous faites 8h20, 16h30, dodo, les vacances. C'est Et puis ça. non. Ah Non. oui, Il y a quand même un petit peu plus derrière. un Donc petit nous, peu. c'est ça, c'est la phase cachée, c'est toute la préparation en amont, le temps, voilà, le temps invisible, on ne nous voit pas, mais voilà. Il faut que les parents, puis même les gens qui veulent découvrir ce métier, ils aient ça en tête, c'est qu'on est là toute la journée, mais voilà. Du Intense. coup, c'est de la fatigue, et il y a des fois, il y a des périodes où on est un peu plus fatigué que d'autres, et on nous demande beaucoup, quand même beaucoup de choses, surtout qu'en plus, nous, on a une spécificité, c'est qu'on est sous deux responsabilités. La responsabilité de la directrice sur le temps scolaire et de la mairie sur le temps périscolaire. Donc, voilà, il faut Oui. savoir jongler entre les deux. Souvent, les deux n'attendent pas la même chose de nous, parce que parfois, tu as des mairies où ça se passe super bien avec les enseignants, et il y a des fois, ça se passe pas bien du tout. Donc, du coup, tu es un petit peu entre les deux. Donc, voilà. Entre la mairie et les enseignants, ça se passe un peu moins bien et du coup, tu es au milieu. Donc, bon, Ouais, c'est compliqué. c'est pas Et évident. c'est pour ça que vraiment l'ambiance au travail avec l'enseignant, c'est vraiment, c'est primordial. Alors, est-ce que ce métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? À être... À que ce soit aussi... Aussi prenant un petit peu psychologiquement, c'est-à-dire que le soir, tu quittes jamais vraiment le travail. Tu es toujours en train de ruminer, Okay. et de repenser à ta journée, ce que tu aurais pu faire mieux, ce que tu aurais pu améliorer, ce que tu n'aurais pas dû faire, des choses comme ça. Et souvent, je pense aux enfants le soir. Je suis passée pour une psychopathe, mais quand il y a des enfants qui ont des petits soucis et tout ça, je me dis, attends, là aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire ça. Demain, comment je peux m'améliorer? Ouais, donc Ça. finalement, à faire la part des choses entre ton univers personnel et l'univers Ah oui, professionnel, alors ça, c'est c'est comme. oui, c'est assez conflictuel. Même par rapport à ma vie de famille, par rapport à mon mari qui me dit, non, mais c'est bon, maintenant tu es à la maison, tu fais ce que tu veux, c'est pas ton travail. Voilà. Mais non, à ce que ce soit, oui, aussi prenant. Et puis après, non. Est-ce que tu aurais un souvenir à nous raconter pour terminer ce beau podcast, un meilleur souvenir ou un pire souvenir en tant qu'ATSEM, qui t'est arrivé des trucs incroyables? Craquer mon pantalon en plein travail. Ah C'est oui, ça c'est un pire souvenir, je pense. déjà arrivé à tout le monde, je crois. Je ne suis pas la seule. Non, moi Gros jamais. moment de solitude. On passe notre temps à se baisser, c'est ça aussi. On est Ah toujours ben en voilà. bas. Surtout moi, je suis très grande, donc je suis toujours en bas. Craquer mon pantalon, gros moment de solitude, supplier. Des gens pour qu'ils nous ramènent un pantalon. C'est déjà arrivé aussi à une collègue où il y a une maman qui a dû lui ramener un pantalon, une collègue enseignante. Je pense que si elle m'entend, je lui fais un gros coucou. Ça lui est arrivé une deuxième fois il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Non, très bon souvenir justement. Alors ça va paraître un petit peu, je sais pas, mégalo, mais je sais pas. Comme je t'ai dit, je suis beaucoup dans l'empathie, voilà, je fais attention, et je suis les enfants jusqu'en CM2, puisque sur la surveillance sur le midi, on a un petit peu tous les groupes d'enfants. Et c'est une petite en sixième qui m'a envoyé un message très touchant sur Instagram pour me remercier de tout ce que j'avais fait pour elle, de l'avoir si bien accompagnée, encadrée. Et elle m'avait dit, elle était très sensible, elle avait beaucoup voilà, d'histoires, que ce soit dans sa vie perso et à l'école. Donc je l'ai toujours guidée au mieux, hein, sans jamais remplacer les parents, je tiens bien le lien. Quand ça n'allait pas, son comportement, je lui disais, ou sinon voilà, j'essayais de l'aider quand, voilà. Elle était toute seule et voilà. Et c'était une grande lettre comme ça où elle me remerciait et elle me disait que je l'avais un petit peu sauvée. Donc ouais, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Même là, Ouais, je j'en parle, ça comprends. me touche. Maintenant, en troisième, j'ai encore du contact avec elle, mais c'est touchant. On fait pas ça pour ça. On fait pas ça pour avoir de la reconnaissance. On fait pas ça pour avoir des Bien sûr. cadeaux. Mais on fait ça justement pour ce que je disais pour l'enfant, pour son épanouissement, pour qu'il Son s'accomplisse bien-être. pleinement. Et voilà, t'as un peu de fierté quand tu sais que ça se débrouille bien après, voilà. Puis quand Évidemment. ils viennent te voir après, qu'ils sont grands, qu'ils se souviennent de toi, et voilà. Voilà, c'est mon plaisir, ça. Voilà. Ouais, C'est je mon comprends. plaisir à chaque rentrée. Je comprends. Ça fait plaisir de les Plaisir retrouver. égoïste. Ouais. Voilà, et puis bon, avoir un peu de reconnaissance aussi des parents, des merci, ça fait du bien. Voilà, Que bah ce c'est soit un des petit collègues, message. Ça sera le petit voilà. message de fin de ce podcast.
auprès des parents et des enseignants, penser à remercier nos chers ATSEM qui nous rendent bien service au quotidien parce que voilà, sans eux, le métier serait bien plus difficile. On s'en rend compte quand ils ne sont pas là, mais autant s'en rendre compte aussi quand ils sont présents. En tout cas, Johanna, je te remercie énormément d'avoir pris ce temps pour nous raconter ta petite vie d'ATSEM, ton parcours. J'espère que je ne suis pas trop partie dans tous les sens. Merci en tout cas d'avoir donné l'occasion de m'exprimer. J'espère avoir parlé au mieux au nom de toutes les ATSEM. Alors, si j'ai des petits oublis ou des imprécisions ou des erreurs, je m'excuse par avance. Mais oui, c'est bien de nous avoir... de laisser aux gens découvrir le métier d'ATSEM et voilà, de voir que voilà, on existe et que nous sommes importantes. Ouais, c'est sûr que tu les auras représentées dignement et que si jamais il y a des erreurs, on ne t'en voudra pas. Et au pire, les personnes pourront laisser des petits commentaires pour dire ce qui ne va pas. Pas d'inquiétude. C'est pas évident de parler de soi comme ça. C'est à un moment, je suis une psy. Je vais penser à cette reconversion, tiens. Merci encore, Johanna. Cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous. Et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.